on est d'abord remercier le peuple sénégalais. Aussi, on présente notre condoléance à tous les martyrs qui sont morts là-bas, à cause de leur propre pays, à cause de leur amour qu'ils ont porté dans leur pays. On est en train de présenter nos condoléances à tous ces parents. Ça, c'est un projet de société que notre leader il nous a présenté. Il ne nous a pas présenté lui-même, Ousmane Sonko, sa personne. Il nous a présenté un projet de société. Toutes les personnes que tu vois, ils ont une mission sur le projet de société. Surtout nous, les Sénégalais à diaspora, à l'extérieur. C'est nous qui envoyons notre contribution pour que le projet ça ait été tenir. Les déplacements, tout. Aussi, on n'est pas limité là-bas, on est actif sur les réseaux sociaux. Quand on voit quelqu'un qui dit mal notre leader, on va lui répondre en commentaire ou bien quelque chose. Que toi, tu vas le reculer un peu. L'élection, Inch'Allah, nous, on va gagner ça, premier tour. Inch'Allah, ça c'est confirmé. Aussi, le Sénégal, ça va aller une bonne route. Ça va commencer une bonne route, ça termine une bonne route. C'est ça notre souhait sur l'élection présidentielle. Et quel est votre message à l'endroit des différents candidats à cette élection? Quel est le message que vous leur donnez? Ok, les candidats là-bas, c'est différent. Nous, on remercie d'abord Macky Sall. Parce que Macky Sall, il nous a permis de voir les vrais visages, les faux opposants, les fausses sociétés civiles. Il nous a fait beaucoup de mal, mais aussi, il nous a permis de connaître les vrais visages. Les vrais visages. Les gens qui disent quelque chose, après, ils ne croient pas. Macky Sall, il nous a permis aussi, nous, on connaît Ousmane Sonko. Parce que si ce n'est pas Macky Sall, nous, on ne connaît pas Ousmane Sonko. Quelqu'un qui doit être candidat, il a interdit, toi, tu ne peux pas être candidat. Il a pris son deuxième, il dit, c'est lui mon candidat. Il a fait sa PDS. PDS, il a dit, il n'a pas deux candidats, c'est une seule candidat. Jusqu'à le candidat de PDS est effacé. Il a fait sa Tahaou, Khalifa Sall. Il a dit qu'il a une seule candidat, jusqu'à son candidat est effacé. Il a pris pour la même chose pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il nous a proposé une autre. Il ne nous a pas proposé une autre pour sa personne, mais il nous a proposé une autre pour que lui, il porte le flambeau de la société. Inch'Allah, ce que Ousmane Sonko a construit au Sénégal, si ça réalise, le Sénégal, ça va être comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est le seul parti, le parti de Mandela, c'est eux qui gagnent ça. Si ça c'est réussir, c'est le seul patriote, c'est eux qui vont diriger là-bas. S'il quitte, une autre va venir remplacer. Parce que nous, l'Afrique, on a trop souffert. On a trop souffert sur les mauvais gouvernements. On a trop souffert sur les certains présidents, les manières qu'ils font. Tu prends des ressources humaines, tu prends les ressources naturelles de ce pays, tu le bazardes comme un papier de journal. Nous, on est fatigué dans ça. Les ressources qu'on a gagnées, si on exploite ça bien, nous, on peut aller jusqu'à être Qatar ou bien de certains pays d'Arabie. Parce que hey, ils ont des ressources naturelles seulement. Mais les dirigeants, ils ont pris ça, ils ont retourné dans le peuple. Moi, comment une personne, mon ami, $1 million, tu ne peux pas manger. Même ta famille, tout. Tu prends des centaines de millions de dollars. Toi-même, tu sais que ça, tu ne peux pas finir dans ta vie. Tu vois le peuple souffrir. Les gens, ils ne peuvent pas aller soigner dans les hôpitaux. Le pays, quand on nomme un président, on ne t'a pas dit que tu vas venir, tu nous donnes des dépenses, ou bien tu payes notre courant, ou bien tu payes notre facture. C'est les seules choses qu'on te demande. Tu mets le pays en sécurité, tu mets le pays en justice. Si quelqu'un, on lui fait quelque chose, il peut aller réclamer en justice, mais tu prends une justice. Ça, c'est pour la justice de mon parti, ça, c'est justice pour les autres. Si ton parti, quelqu'un a fait n'importe quoi, tu vas le protéger. Mais si c'est les autres, tu vas dire non, lui, on va aller emprisonner. Tu prends les gens, tu les rentres dans les prisons, ils n'ont rien fait. On a fatigué sur certains gouvernements africains, ce qu'ils font en Afrique, c'est très, très, très fait, ça nous fait mal. Quand on parle des autres pays, en Europe et comme ça, là-bas, il n'y a rien. Mais quand tu travailles, tu gagnes. Mais ici, il y a certains qui gagnent,
certaines qui ne gagnent pas. Nous, on voulait que ça suffit. Ça va être une sonnette d'alarme dans toute l'Afrique. L'Afrique va se réveiller. L'Afrique va se réveiller. Nous, on est capables. Les Blancs, ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais ils ont des bons dirigeants. Nous, c'est ça qu'on souhaite. L'élection, on va aller gagner premier tour. Tu as vu le balai de Diomaye? On va balayer toutes les mauvaises choses qu'il y a au Sénégal. On prend le pays, on met dans les bonnes routes. Inch'Allah.